Salut les Gasparettes de YouTube, et bon, on se retrouve pour ça rentre dans la collection numéro 3, spécial PS1. Allez, bon, je vous montre tout ça après le générique. Allez, c'est parti pour cette rentrée spéciale. Ça rentre dans la collection PS1. Alors, tout d'abord, sachez que c'est Cyril 2.0 qui m'a offert ces doublons et que j'avais pas. Donc, c'est super. Donc, merci à toi, Cyril. Et puis, c'est parti pour la présentation. Allez, on commence avec le Army Men Team Assault. C'est le numéro 03633. Voilà. Alors, est-ce qu'il est complet? Oui, il est complet celui-là. Bon, je vais pas tous les ouvrir. Hein. Donc voilà, hop, Army Men. Assaut, Team Assaut. Pose derrière. Pose là, hop. Le ECW Hardcore Revolution, c'est le numéro 2535. Pareil, il est complet aussi. Le derrière. Là, le catch. La bagarre. Hop. Ah, un jeu Midas, Lord of the Jungle, enfin The Jungle plutôt, numéro 2951, super, ça c'est un jeu, il est complet avec une notice, vraiment, il y a trois fois qu'il se bat en duel, il est complet. Le Téléfoot Manager, alors celui-là il n'est pas complet, c'est le numéro 2131. Il manque la notice, mais ça rentre quand même dans la collection. Un FIFA 2022. Pareil, je l'avais pas celui-là. C'est le numéro 3668. Il est complet. Un autre jeu de catch, et celui-là, je suis très content de l'avoir. C'est le World Wrestling... merde. C'est le World Wrestling Federation WrestleMania The Arcade Game. Pareil, il est complet. Et c'est le numéro 103. Voilà, hop. Bah, je suis content, j'avais le deuxième, le WF in the Ours, pardon. Et moi, celui-là, je ne savais pas, je suis très content de l'avoir. Le petit Disney Donald Quack Attack, c'est le numéro 3095. Pareil, il est complet. Le petit dinosaure, retour vers la grande vallée. Pareil, il est complet aussi. C'est le numéro 2982. Le petit dinosaure. Le rapide dresseur, c'est le numéro 394. Pareil, il est complet. Le bust move 4, c'est le numéro 1389. Il est complet aussi. Non, je crois qu'il n'est pas complet celui-là. Non, pardon, autant pour moi, il manque la notice. Mais il y a le jeu et la jaquette, et c'est déjà très bien. Le Dancing Stage Disney Meets, fait par Konami. C'est le numéro 3384. Alors, il est complet, mais il n'est pas en français. Alors, je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis en route. Alors, si ça se trouve, il passe en français, c'est juste. Mais la boîte est en anglais. Les Razmoquettes à Paris, le film, c'est le numéro 3343. Alors celui-là, je crois qu'il y a la... Voilà, il manque la jaquette avant et il y a la notice. Hop, un jeu Midas, le Pinball Power. Oh là là, ça c'est du jeu, ça, le 2920, le numéro 2922. Ça c'est du jeu Midas, c'est la classe. Et il est complet. C'est la classe, le jeu Midas. Le Wing Over, c'est le numéro 540. Il n'est pas complet, il manque la notice. Un jeu d'avion à la Ace Combat. Le Tunnel B1, c'est le numéro 322. Alors, il manque la notice, mais c'est pas grave. Hop. Petite notice, ça se trouve. Hein. Il y a le temps. Le Ayrton Senna Kart Duel,
C'est le numéro 484, 493. Voilà, il est complet. Oui, c'est ça, il est complet. Il est complet, le papier. Ah, j'ai pas montré le derrière. Hop là. On voit bien les images. Oui, là, on voit mieux. Hop. Je me dépêche, hein, parce que. Le Rayman Rush, qui est sorti aussi sur PS2, c'est le numéro 3812. Pareil, complet. Le Worms Pinball! Ça, c'est bon, ça. C'est le numéro 483. C'est déjà les Worms normales, enfin le premier du nom. Et voilà, nickel. Il est complet. Le Aigle One, arrière attaque. C'est le numéro 1715. Pareil, il est complet, je crois bien. Oui, il est complet. Un jeu d'avion aussi. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le Nanotech Warriors. C'est le numéro 329. Celui-là, je le connaissais pas du tout. Il est complet. C'est un genre de shoot, je crois. On verra bien. Je ferai peut-être une vidéo dessus, on verra. Le Lago Winch, le numéro 3687. C'est pas beau ça, hein? Pareil, il est complet. Ah, ouais, il paraît que le jeu n'est pas terrible, mais bon, ça rentre dans la collection. Hein, pour le foot 7 PS1. Eh ouais. Le Digimon World, c'est le numéro 3435. Pareil, il est complet. J'aimais bien le manga. Enfin, l'animé. L'animé. Ah, le jeu de Patoon qu'adore le joueur du grenier. Le Roi Lion. Disney Le Roi Lion, la formidable aventure de Simba. C'est le numéro 3269. Pareil, il est complet. Et c'est un jeu Disney. C'est Madame qui va être contente aussi. Qu'elle adore Disney. Buggy. C'est le numéro 174. C'est dans les premiers jeux, ça. Pareil, il est complet. Bon, bah, comme le nom l'indique, c'est un jeu de buggy. Le Girou Football Manager! C'est le numéro 1360. Je me rappelle, je l'avais acheté et je ne savais pas trop ce que c'était quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas jouer au foot, c'était juste du management. Bah, je me suis bien fait avoir. Je l'avais revendu. Et puis bon, bah voilà, je le récupère grâce à Cyril. Merci Cyril. Donc, bah, maintenant que j'aime bien le faire du Football Manager, donc à tester pour voir si j'y arrive. Je vais être celui-là. Le Rascal, c'est le numéro 858. Pareil, il est. Alors, est-ce qu'il est complet celui-là? Oui, il est complet. La notice est lourde. Et il y a aussi la jaquette avant. Hop, le petit derrière, voilà. Vous voyez bien quand même. Hop, je commence à faire une petite montagne de jeu là. Le Tunguska. Alors, celui-là, il n'est pas complet. Il manque la notice. C'est le numéro 3298. Hop, 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 il me semble que c'est un RPG celui-là ou un jeu d'aventure, je me rappelle plus trop exactement. Hop, le CD se balade un petit peu, c'est pas grave. Hop, pareil. Hop. Le Matt Hoffman Pro BMX pour les fans de BMX, hein. C'est le numéro 3218. Ouais, il est pas complet, il manque la notice, c'est pas grave. Le Black Dawn, c'est le numéro 407, un jeu d'hélicoptère. Pareil, il est complet celui-là, on sent bien la notice. Hop, ça tombait! Le Viva Football, bah, comme son nom l'a dit, hein, c'est un jeu de foot. C'est le numéro 761. Alors pareil, la boîte n'est pas. C'est pas écrit en français, je crois que la notice, il n'y a pas de français. Mais bon, ça rentre dans la collection, c'est rigolo. À tester, voir. Mettre comme ça. Hop, on va laisser comme ça. Non, mais... Hop, excusez-moi. C'est le Killer Loops. Ou Lop, je sais pas comment on dit. Il n'y a pas de S, donc on dit Loop. Le Killer Loop, c'est le numéro 1878. Pareil. Alors celui-là, il y a la notice, mais il n'y a pas la jaquette avant. À la limite, c'est quand même mieux d'avoir la notice que la jaquette avant. Bon, après, le mieux, c'est d'avoir le jeu complet, hein, c'est-à-dire avoir la notice et puis la jaquette avant et le jeu. Et puis la jaquette arrière aussi. Ensuite, le Worms World Party. Ah, content d'avoir ça. Hein.
C'est le numéro 3804, il est complet. Voilà, le dos. Le dos. Ouais. Le Tomb Raider, la révélation finale. Il est complet, ça c'est pour madame, hein, parce que moi Tomb Raider, j'avoue que j'ai un peu de mal. Franchement, je vais m'y remettre à Tomb Raider. Peut-être que le 1, c'est peut-être. Je sais pas, faut que je m'y remette. C'est le numéro 2239, voilà. Donc, voir pour quand même leur donner sa chance à Tomb Raider. Je sais que madame aime bien, mais moi c'est pas trop mon truc. Hein. Si, moi frère, on verra bien quoi. Pro Pinball The Web. C'est le numéro 259. Pareil, il est complet. Un jeu de flipper. Comme son nom l'indique. Alors, ça, c'est quoi? C'est le Green Session. C'est le numéro 2885. Pareil, il est complet. Hop, c'est un jeu de skate. Et la notice aussi est bien lourde. Le Mike Tyson Boxing, c'est le numéro 2839. Ah, celui-là, il manque la notice, je crois bien. Il me semble. Ouais, il n'y a que la jaquette avant. Bien content d'avoir quand même le jeu et la jaquette avant. Remets-toi bien, toi. Non, c'est pas grave. Là, après, le Track and Field, le tra International Track and Field en version. En version Black Label, hein, même si c'est blond. Hop, il y a la notice, mais il n'y a pas la jaquette avant. Hop, c'est pas grave. C'est le numéro 333. Voilà, super le Track and Field, hein, c'est un super jeu. Je l'ai en platinum, hein, et puis bah, je l'avais pas en Black Label, donc bien content de le rentrer. Le Tom et Jerry, sauf qu'il peut. C'est le numéro 3181. Ah, il me manque la notice à celui-là. Je sais pas si vous voyez bien là avec le reflet là. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hop. Un petit jeu de billard. Le Jimmy White de Kubble. Ah, il est complet celui-là. C'est le numéro 1334. Ouais, il est bien complet. Bon, bah, c'est un jeu de billard. Hein. Hop. Bon, ça prend le jeu de billard, hein. Ça peut être intéressant. Le Trash Hit, hein, c'est le numéro 256. Pareil, et celui-là, il est pas complet. Il manque que la jaquette avant, sinon il y a la notice. Donc, très content aussi. Voilà. Alors, il nous en reste 4 à présenter. Le Crotz, en version Electronic Arts classique, c'est le numéro 593. Il est complet. Avec une petite boîte cassée, mais bon, ça c'est pas grave. Une petite boîte, hein, ça s'échange. Alors, pour les trois derniers, les Razz Moquettes. Voilà, hop, c'est le numéro 1689. Et il est complet. Ouais, c'est ça, il est complet. Comme l'autre voyage à Paris. Moi j'aimais bien les Razz Moquettes comme dessin animé, c'est vraiment sympa. Le Army Men Air Attack 2, c'est le numéro 3227. Pareil, complet. Et enfin, le dernier, la meilleure des rentrées. Non, je déconne, hein, c'est All-Star Racing, c'est un jeu Midas, donc à mon avis, ça doit pas être un jeu exceptionnel, hein, bon, même s'il y a Big Ben dedans, mais bon, quand on voit le jeu Midas, il y avait même un ancien propriétaire du jeu qui avait marqué son nom sur la jaquette et son nom sur le CD par peur sûrement qu'on lui vole, à mon avis. Je pense qu'il l'a fait au tout début quand il a eu le jeu, et puis quand il a fait le jeu, il a dit, ah, si j'avais su, j'aurais pas mis mon nom dessus. Donc voilà. Donc c'est terminé pour pour ces belles rentrées. Hein. Donc voilà, ça fait du jeu PS1. Hein. Ça en fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 jeux qui entrent dans la collection, dans le full set PS1. Et ça, c'est grâce à Cyril 2.0, bah, qui m'en a fait cadeau. Et bah, merci à toi, Cyril. T'inquiète pas, ils resteront à la maison. Hein, ils vont être testés, hein, et puis décortiqués, parce que bon, bah, y a pas mal de titres sympas. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu obscurs. Mais sinon, dans l'ensemble, plutôt content. Hein. Donc, bah, merci à toi, Cyril 2.0, de ce beau cadeau. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que collectionner, c'est bien, mais jouer, c'est encore mieux. À plus tard, les Gaspards et les Gasparettes de YouTube. Et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez surtout pas que le démat, c'est le mal!